Ce matin du 26 mai 2024, des terroristes se sont attaqués au camp de Mourdia. Installez-vous confortablement car nous allons vous amener au cœur de ce combat. Vous allez vivre en live comment les FAMA traitent des terroristes. Pour l'une des rares fois, vous allez voir exactement ce qui se passe sur le terrain. Les FAMA ont mené la vie dure ce matin aux terroristes. Une très belle victoire à savourer ensemble. Suivons. Le soleil s'est couché à l'aube pour les terroristes à Mourdia. Ils viennent de subir l'une des plus grosses défaites de leur histoire. La stratégie des hommes de l'opération Nangui n'a laissé aucune chance aux forces du mal. Pourtant, c'est eux qui ont osé déchirer la clémence de l'aurore en pilonnant le camp de Mourdia. S'ils savaient, ils n'allaient jamais le faire. Comme le disent les Bambara, c'est là qu'ils sont tombés du dos de leur maman. Ce matin, 5h30, Ouati, Dougoussou, Lafatouanga. Nous avons eu un homme qui a été déroulé. Ça va bien quand on a eu un homme qui a été déroulé. Donc, au coffret, nous avons lancé la. Pourquoi un véhicule blindé flappe, mais non. Il s'est dirigé vers nous, pour le camp d'a forcé. Mais on a pu tenir. Donc après les intenses combats, Ambora a raté sa gigue jusqu'à des kilomètres. Je poursuis. Ça va, Alhamdoulilah, ça va. Tout va très bien. Les premiers bilans font état de plus d'une centaine de terroristes tués. 11 mitrailleuses PKM, 15 PM, 4 LRAC, 4 roquettes LRAC, des boîtes chargeurs PKM, des chargeurs PM, 9 motos, 3 radios TYT, beaucoup de munitions et divers matériels, tous s'est récupéré. Comme le disent les autorités militaires, entendez la voix de la raison pendant qu'il est temps. Sinon, le repos éternel sera la chose la mieux servie.